Bonjour tout le monde, c'est KMC, bienvenue sur Far Cry 5. Et vous voyez ces délicieuses montagnes, hein? C'est la zone des montagnes, des White Tails. Là-bas on a le petit clan de l'ours. Et ma foi, on a fumé les Jacob, on a fumé notre ami Jacob. Et là j'ai réuni une petite armée, je vous présente Urk, qui est un personnage haut en couleur et plutôt drôle. Et j'ai toujours ma délicieuse Grace avec moi, très efficace. Hop, j'ai préparé un petit... Oh, il y a une photo dedans, j'avais jamais remarqué. J'ai préparé le petit hélico qui va bien. Vous voulez bien monter, messieurs, dames, s'il vous plaît? Voilà. Regardez, il y a une petite photo, là, d'un paysage. Petite carte postale. C'est bon, tout le monde est prêt? Eh ben, écoutez, on nous a parlé d'un bunker de Jacob. On va y aller et on va foutre le dawa là-dedans. Alors, aussi, là-bas, il y a une baraque. J'y suis passé plusieurs fois et je me suis fait un petit peu jeter. Donc j'imagine que c'est lié. Voilà, j'imagine que c'est lié. Qu'est-ce qui m'emmerde? Non, c'est bon, tout va bien? Ok. Allez. Donc on a fumé Jacob. On est en train de terminer la zone 2. L'armurerie est une putain de forteresse. C'est une armurerie. La clé de Jacob vous ouvrira la porte, mais ensuite, ce sera plus dur. Ils vous attendront de pied ferme. Il y avait les plans de cet endroit. Je vais les étudier. Hop. Sur vos gardes, officier. Ok. Bon, je suis sur mes gardes, il n'y a pas de problème. Hop. Regardez. Ça se passe comme ça. Chez McDonald's, ma. J'ai plus de... Ah, voilà. 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 Tiens. Toi, tu te tais. C'est bon? C'est bon, le comité d'accueil? C'est fini? On va pouvoir atterrir. Est-ce que la zone est clear? C'est clear, allez hop. Tac. On est parti. Alors, où que ça se passe? Là-bas. Tac. Vous venez les amis? Ils sont où mes compères? Ah, ils vont pas pouvoir venir avec moi, c'est ça? Mes élus. Si vous entendez. Là, je suis seul face à moi-même. D'accord, je crois que c'est le principe, en fait. C'est le principe, malheureusement. C'est bien la peine d'avoir des élites avec soi si... C'est dans les combats finaux. Okay. On est obligé de rester seul. On dirait qu'ils enferment leurs prisonniers tout au fond de ce bunker. Si vous voulez sauver Pratt, vous allez devoir passer par la salle de contrôle. J'imagine que tout l'endroit est verrouillé. Ok. Si vous commencez par là, vous devriez pouvoir tout ouvrir avec la clé de Jacob. D'accord. Bonne chance. Hop, je suis en infiltration, on va sauver Pratt. Je dis que je suis en infiltration, mais j'ai pas... Porte sous pression. J'ai pas le matos pour être infiltré. C'est toujours bon à manger. C'est pas grave. Hop là. Tac. Na. Hop. Ça c'est bon. Ça c'est très bon ça. On peut passer par là? Est-ce qu'on peut passer par là? Non, c'est verrouillé. Merde. Bon. C'est où le chemin du coup? Par là. Ouais, voilà. Control room. Lui, on va lui briser la nuque, hein, gentiment. Hop, il est en train de prier devant son Joseph. Tchou. Ok. D'accord, je vais sortir de là. Ils vont m'attendre avec les mitrailleuses. Je suis plein. Et tout le merdier, ça va être joyeux. Je sens que ça va être joyeux. Allez. La pire chose que tu pourrais être. Porte déverrouillée. Non, ok. Les portes sont déverrouillées. Bon, pour le moment. J'aimerais qu'on reste silencieux, voilà.
Ah, trop tard, je me suis fait repérer là. Wow! Non, 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 toi tu. Oh non! No! Je les déteste, ceux-là. Les gros qui sont armés là. Tu peux pas les friter au corps à corps, tu vois. Il n'y a pas moyen de moyenner. Donc, faut leur préparer des petites surprises. Des petits explosifs, des choses comme ça. C'est ce qu'on va faire là. Préparer. Voilà, ça. Ça, c'est bien ça. Ok. Allez. On peut peut-être réussir à être discret, hein, ce coup-ci, remarque. Toi, genre. Quick! Toi, je te brise la nuque. Là, j'attends. Si je le chope par derrière, il y a moyen. Il y a moyen de lui briser la nuque par derrière. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas réussi à faire l'enchaînement. Il était trop loin, je pense. Y a rien par là? Non, y a rien. Bon, on s'enfonce dans le bunker, Adrian. On s'enfonce dans le bunker. On va délivrer Pratt de ce merdier. Oh. Bonjour, bonjour. Clac. Un coup de batte dans la gueule. Ah oui, alors. Je voulais essayer la pelle. Je voulais essayer de mettre un coup de pelle. On verra ce que ça fait. Non, non, non. C'est un loup préparé, ça. Hop. Allez. T'es réel. Est-ce que t'es réel? Oui, je suis réel. T'inquiète. Allez. Oula, il est à moitié endormi, le pauvre garçon. Faut pas écouter ce qu'il dit. Que je méritais ça. Mais non. Il a peut-être raison. Mais non. Peut-être que je mérite. Peut-être bien. Oui, prends une masse. À la Triple H. Et tu tapes. Voilà, c'est bien. Passe ta colère. Voilà, ce sac à bande, c'est ça qu'on veut entendre. Ouais, oui. Et les vénères, Pratt. J'aime bien ça. Voilà. Il y a quoi dans cette caisse? Quelque chose d'intéressant? Voilà, tu t'es M60 ou F249, je sais pas trop. M249, je crois, avec la poignée comme ça. Je fais genre l'expert, tu sais. Si je me trompe, vous me direz... Ah, il est vénère. Vous me dites dans les commentaires si je me trompe. Ouais. M249 et M60 pour moi. Ah non, je crois même que j'avais acheté une M249. Ah, je sais plus. Je sais plus ce que j'ai comme matos. Faut qu'on y aille. Allez. Bon, là, je pense qu'il n'y a plus trop d'infiltration. Non, c'est M249 que j'ai également. Ok, on est tous les deux avec la même arme. Attendez. Non, c'est bon, je suis toujours plein en medikit, oui. Ça a pas bougé. Hop là, hop là. Tu meurs pas, hein, Pratt. Tu fais pas le con, hein. Tiens. Oh, il y a des saloperies. Non, non, mais éloigne-toi de là, mec. Putain, le con. Ah, ça va être chiant avec lui. Allez, il faut monter, hein, je pense. Allez.
Allez, viens. Viens, mon gars. Suis-moi. En plus, il y a l'eau qui coule de partout, là. Je sais pas s'il m'a bien suivi. Hein. Si, c'est bon. Allez. Faudrait pas qu'il reste ici, hein. Allez, viens. Cours plus vite, Pratt. Regarde. Hop. J'ai l'impression que c'est plus facile que quand on a délivré Grace. Ou alors c'est que je suis devenu meilleur, Brian. Hop là. Hop. C'est bon, tu suis toujours. Allez, où? Oh là, là il y a du monde. Tiens. Allez les gars. Venez me voir. Voilà, et on fait péter ça. C'est bon. On leur a réglé leur compte là. Il reste que des petits. C'est bien. Tiens. Voilà, coup de pelle dans la gueule. Ça qui est bon. Ouais, bien. Allez, on s'arrache, on continue. On n'est pas loin du but, Pratt. T'inquiète. Allez hop. C'est par là. C'est par là, il y a tout qui se casse la gueule. Pratt. Viens vite. Traîne pas comme ça. Allez. Allez. Bon, Pratt, tu arrives? Est-ce que mon hélico est toujours là? Non, il est plus là, mais bon. On est dehors, moi ça me va. Je pense qu'on est pas mal. Bah, c'était easy. Hein. Bim! Bye bye, l'armurerie. Push! Ouais! Hop! Petit feu d'artifice, petit drapeau américain. C'est ça qui est bon. Bon, bah écoutez. Région libérée. Et voilà les amis. C'est pas formidable ça? Tudu. C'était facile. Franchement, c'était facile. On s'est tous retrouvés dans la région pour différentes raisons. Ouais. Ce qui nous a réunis, c'est le deuil. Des parents. Des amis. Petite séquence émotion, les amis. Ellie nous a offert une autre famille. Ah, Ellie, c'était bien lui. On est d'accord. Il nous a montré que... qu'on ne pouvait compter que les uns sur les autres. Et ouais. C'était mon ami. Ah, c'était pas ton homme. C'était juste ton pote. Ok. Il va beaucoup me manquer. Bah oui. C'est normal, hein. Quand les amis s'en vont. C'était pas vous, Ellie le sait. Bon, elle m'a pardonné, Ellie, je crois. Je pensais qu'on pourrait attendre. Patiemment. Cadence Gate allait disparaître. Mais non. Les enfoirés. Le cancer, ça meurt pas. Ça s'étend. Ça se répand. Il faut l'extraire. Ouais. Ces enfoirés de fanatiques pensent que la fin du monde est proche. Ils ont raison. C'est la fin de leur monde. Et on s'arrêtera pas tant que tous ces enfants de putain se balanceront pas au bout d'une corde. Ouais. Ouais. Oh, on va tous les fumer. Ouais. Vengeance. Tiens. Mes enfants. Un seau a été ouvert. T'as déjà dit ça l'autre fois.
Mon frère Jacob était un guerrier. Ouais. Il a combattu mes parents. Combattu le gouvernement. Et même moi. Mais surtout, il s'est battu contre lui-même. Les démons qu'il a ramenés de la guerre l'ont consumé. Ouais. Il a cru être devenu un soldat sans idéal. Il se voyait comme un guerrier sans héritage. T'es un peu au bout de ta vie là, Joseph, hein? Mais regardez-vous. Vous êtes cet héritage. Tu parles à qui, là? Chacun de vous, prêt à protéger notre famille de l'effondrement. À chasser tous les impies qui nous tourmentent. Mm-hmm. C'est votre mission, mes enfants. Non, Valo, va. Petit vous foufou. Vous devrez chasser tous les impies qui nous tourmentent. Je ne suis pas un impie, monsieur. Je vais te botter le cul. La mort de Jacob n'aura pas été vaine. Bon, la prochaine, c'est ta petite sœur. Hein. Bon, ça m'emmerde de te buter une femme, mais je pense que c'est ce qui va se passer, mon gars. Eh ben voilà. Deux de moins. 2/4, on va dire. 2/4. Alors, par curiosité, on va aller jeter un coup d'œil à la maison dont je vous parlais. Ça va? À moins qu'on nous y emmène direct, non? Les Whitetails sont des gens bien et honnêtes. Ils se battent du bon côté. Et ils méritent quelques victoires, quelles qu'elles soient. Ouais. Ok. Attendez, je vais regarder si il veut me donner une petite quête en plus. On est au purgatoire. On doit expier pour toutes les saloperies qu'on a faites. Ça a pas l'air. Ok, bon, on s'arrache. On s'arrache et on, avant de se quitter, on va aller jeter un petit coup d'œil à cette baraque si mystérieuse. Tu sais ce que j'aime avec toi. Donc on va reprendre un petit hélico de combat. Voilà, petit hélico de combat. Hop là. Je suis même pas sûr que tu connaisses ce mot. Et je vous emmène. Bon, maintenant que Jacob et Johnny sont éliminés. Regardez. La baraque en question, c'est ça là. Vous voyez ? Je vous laisse plus que Face. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Oui. Terminé. Tout à fait. On va s'occuper de Face. Donc on va rejoindre, alors moi je vais finir hors caméra toutes les quêtes annexes de la zone. Hein. On va tout retourner dans la zone. Et ouais Adrien. Et ensuite, ensuite j'irai avec vous dans la troisième zone, s'occuper des Faces. Et une fois qu'on aura nettoyé cette troisième zone, et bah, il n'y aura plus qu'à aller voir notre pote Joseph. Voilà. Et on pourra régler tous les problèmes qu'il nous a causés depuis le début de cette aventure. Alors il faut reconnaître que quand même c'est des jolis paysages, les montagnes, ça m'aura bien plu. Donc après les champs, les montagnes, et après les montagnes, ben je ne sais pas ce qui nous attend encore. Nous découvrirons ça prochainement ensemble. Voilà, voilà. Allez, 1,3 km. 1,3 km mes amis. Ah là 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 là. Tu lui coûtes combat, lui il m'a bien servi. Ah, j'ai mon petit stylo, j'ai mon petit machin. Je l'ai aménagé tranquille, au calme. Vous voyez ce truc? Espèce de grande résidence de fou là. Ça c'est trop bizarre. Ou alors c'est la maison de Jacob. De Joseph, pardon. Bon, maintenant que j'ai fumé Jacob, j'espère bien qu'il va se passer autre chose. Parce que les dernières fois que je me rendais donc dans le coin, même le fait de survoler en hélicoptère, boum, ça te faisait le brouillage en mode comme d'habitude là, des étoiles dans les yeux. Voilà, exactement ça, Only You, ça le fait toujours. Ça c'est un grand mystère et ça va me rééloigner de la maison en fait.
Ah là, ça me remet là. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la maison mystère, quoi. On peut vraiment rien y faire. Voilà, les amis, je vous quitte sur ce mystère. Là, je passe, c'est mon ami Nick Ryan qui passe, là. America, hell yeah! Si ça vous a plu, lâchez un like. Si vous savez ce qu'il y a dans cette foutue baraque, eh ben, dites-le moi dans les commentaires. Sinon, bah, un jour, j'y reviendrai. Hein. Je vais revenir jusqu'à ce que j'arrive à rentrer, Adrian. Et ma foi, pensez à vous abonner pour voir la suite. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Allez, c'était Kems. Ciao!